أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا الحمد لله nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces immenses, ces grâces visibles, ces grâces cachées. Nous disons Allah subhanaka la nuhsi sana'an alayk illa kama asnayta ala nafsik. Oh Allah, nous ne pouvons pas te remercier, te louer jusqu'à au sommet, jusqu'à atteindre ce que tu veux, ta satisfaction, ton agrément. Allah, nous ne pouvons pas. Quand nous sommes humains, nous sommes des créatures, nous sommes incapables, nous sommes faibles. C'est toi, Allah, seul tu peux te louer. Car parmi tes grâces, il y en a que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc nous disons toujours et à tout moment, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il dit, les meilleurs des hommes, le jour de la résurrection, Alhamadoun. C'est ceux qui remercient Allah régulièrement. Ceux que dans les moments de bonheur, ils remercient Allah. Dans le moment même de difficultés, de douleurs, ils remercient toujours Allah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Qu'Allah ne nous éprouve pas par des épreuves qui vont nous arracher nos foi. Qu'Allah ne fasse pas cela. Donc, chers frères musulmans, nous allons continuer avec nos sujets de la jurisprudence. En principe, la semaine dernière, le dimanche passé, nous avons fini avec le chapitre de Tayammum, l'ablution sèche. Mais il y a d'autres choses qui sont liées au Tayammum, qui ne font pas partie du Tayammum, mais comme le Tayammum est une ablution dans laquelle on essuie, on ne lave pas, on essuie, ou bien on frotte, ou bien on fait passer la main sur certaines parties du corps, il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres sujets. Dans ces sujets-là, on essuie également des parties du corps. C'est pourquoi nous allons traiter ces sujets ici. Et nous avons trois sujets. Un, les choufs. Qu'est-ce que les choufs? On va expliquer. Deux, les chaussettes. Trois, les plâtres, les bandes, les remèdes qui sont mis sur leur plaie, sur le corps. Dans l'ablution, on doit laver certaines parties de nos corps, telles que les mains jusqu'au coude, telles que le visage, telles que les pieds. Si, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un est blessé au pied par exemple, il y a une blessure, il a mis soit le médicament ou bien il n'a rien mis, mais la blessure là, l'eau ne peut pas toucher. Est-ce que comme Allah dit de laver les pieds, il faut forcément laver? Non. Si quelqu'un a eu un accident, le bras est cassé, on a mis des plâtres. Est-ce qu'il faut dire non? Dieu dit de laver le bras, il faut enlever les plâtres là pour laver. Est-ce que l'islam est comme ça? Non. Mais comment il faut faire? Il faut l'expliquer. Dans des saisons de l'année, il peut y avoir des fraîcheurs. Chez nous ici, peut-être c'est mieux. Dans d'autres zones de la terre, il fait tellement frais que tu portes les chaussures ou bien des choses semblables aux chaussures. Toi-même, tu n'as même pas intérêt à enlever ça. Si ce n'est pas à cause de certains cas, tu n'allais pas enlever même. Est-ce qu'il faut dire forcément qu'il faut enlever ces chaussures-là ou bien ces chaussettes-là pour laver les pieds? Donc, on a besoin de connaître la position de l'islam dans ces cas-là. La première chose qui sont les choufs, c'est un mot arabe. Le khouf est un genre de chaussure. Mais en réalité, ce n'est pas une chaussure. Parce que c'est une chose entre la chaussure et la chaussette. Ce n'est ni une chaussure et ni une chaussette. C'est pourquoi quand on porte le khouf, on porte encore une autre chaussure pour pouvoir marcher avec. On ne portait pas le khouf. On ne portait pas les choufs seulement
Après avoir porté le khouf, il y a une autre chaussure qu'on porte. Et qu'est-ce que le khouf? On a dit que c'est un genre de chaussure qui est fabriqué avec la peau des animaux. Tout est fait à base de la peau. En haut comme en bas. Et ce n'est pas une chaussure de chez nous. Nous, on ne connaît pas ça. C'est dans les pays arabes et consorts. Seuls ceux qui vont dans les hajj, les parents qui connaissent, il y en a qui achètent, qui envoient comme ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a besoin de protéger chez nous ici. Et dans le temps du prophète, il y avait le khouf. Aujourd'hui même, il y a le khouf. Et même dans les zones qui font tellement froid, les gens utilisent toujours les khouf. Donc, voici ce qui veut dire d'abord le khouf. Et est-ce qu'il y a une preuve que le prophète sallam a utilisé les khouf, ces chaussures-là? Oui. Dans un hadith de Al-Mughir Abun Shouba, qui dit que j'étais en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il était l'aide de la prière, le messager d'Allah a fait ses ablutions. Lorsqu'il voulait arriver au niveau des pieds, je me suis abaissé pour enlever ses khouf, pour qu'il lave les pieds. Et le prophète m'a dit, « Da'ahouma, fa'inni labistouhouma ala tohara. » Laisse-les, n'enlève pas mes khouf. Je les ai portés après une ablution, après une purification. Donc, à partir de ce hadith, nous savons que le prophète a utilisé le khouf. Et il y en a d'autres hadiths comme ça. Mais quand on parle de khouf, il y a des conditions. Parmi les conditions de khouf, pour pouvoir essuyer sur le khouf, on va prendre le temps pour expliquer bien le khouf. Et ça ne nous concerne pas trop, comme j'ai dit. Mais il y a le deuxième sujet. Le sujet suivant qui nous concerne, ça sera les mêmes choses. C'est pourquoi si on a bien compris le khouf, on comprendra le deuxième sujet. Donc, les conditions de khouf, un, il faut porter après une purification. Et quand on parle de purification ici, ça prend soit la grande ablution ou la petite ablution. Ce n'est pas la purification, laver son corps et puis après porter, non. Après une ablution, la petite ou la grande. Deux, il faut que le khouf ferme tous les pieds. On va montrer, ça doit fermer tous les pieds jusqu'aux chevilles. La partie qu'on doit laver, le khouf doit passer. Je dis bien, nous sommes en train d'expliquer le khouf parce que le deuxième sujet va nous concerner. Et ça sera la même chose. Il faut que le khouf dépasse le cheville. Ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition, il faut que ça soit lourd, que ça soit épais. Quatre, il faut que cette peau-là, tu dois savoir est-ce que c'est propre ou pas. Ça vient de quel animal? Si ça venait d'un animal que la consommation est interdite en islam et le khouf est fait à partir de cette peau-là, on ne doit pas porter pour prier même. À plus forte raison d'utiliser le massage ou l'essuyage comme on va citer ici. Donc voici les conditions. Ensuite, lorsque tu portes le khouf, il y a une durée. Lorsque la durée passe, ça devient invalide. Tu ne peux plus utiliser, tu ne peux plus essuyer dessus. Et pour celui qui n'est pas en voyage, Al-Muqim, Laylatun wa Yawmun, Yawmun wa Layluhu. Un jour, 24 heures, c'est-à-dire une nuit et une journée, les 24 heures. Pour le voyageur, 3 jours. Est-ce que c'est permis? Lorsque tu fais les ablutions, arrivé au niveau du pied, tu portes le khouf, c'est permis d'essuyer? On a déjà répondu la question dans un hadith. Et mais quand même, je vais reposer la question. Est-ce que c'est permis quand tu fais les ablutions? Allah dit dans le Coran, « Faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. » Allah dit, lorsque vous faites les ablutions, lavez le visage, les mains jusqu'au coude, essuyez la tête, lavez les pieds. Est-ce que c'est permis que quand toi tu portes le khouf, qui est un genre de chaussure fabriqué à base de peau d'animal, arrivé au pied, est-ce que c'est permis? Tu ne laves pas les pieds mais tu essuies. Est-ce que c'est permis? Je pose la question, j'entends la réponse, si on a bien compris depuis le début. Oui? C'est permis. Quelle est la preuve?
Ça? Ça, c'est pas la preuve. Je veux la preuve qui vient du Coran, comme de la manière, moi j'ai cité le verset dans lequel Allah dit de laver le pied. Il faut me donner une preuve, un texte comme ça. Et quand on parle de texte en islam, c'est soit coranique, soit hadith, qui montre que ici, bien vrai que Dieu a dit de laver les pieds, mais on va pas laver, on va essuyer. Qui va me donner la preuve? Si on a bien suivi, on est supposé depuis le début. On a une plaie. Ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est une raison. Mais quelle est la preuve que, à cause de cette raison-là, je dois essuyer? Oustaz? Oui? Ah, c'est tout. Parce que le prophète, oui? Non? Oui. C'est ça qu'on appelle une preuve. Un verset coranique, un hadith du prophète, un fait du prophète, une parole du prophète. N'est-ce pas? C'est ça la preuve. Et c'est pourquoi, mes chers frères, le hadith vient expliquer, commenter le Coran. Le hadith n'est jamais en contradiction avec le Coran. Le hadith vient soutenir le Coran, vient expliquer le Coran, vient donner plus de détails de ce que le Coran a dit. Vient donner des précisions. Le verset dit, il faut laver le pied, mais à cause d'un cas de force majeure, à cause d'une raison valable, à cause d'une excuse valable, telle que la fraîcheur, telle que la difficulté, telle que la pleine, là ce sont des raisons. Mais quelle est la preuve textuelle qui nous fait balancer du Coran ou bien d'une position, d'une manière de faire à une autre? Donc voici le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait laver les pieds comme le Coran a dit. Le compagnon même a compris cela. Il s'est abaissé pour enlever le khouf. Le prophète dit non, laisse. Le Coran dit de laver, mais ici, on ne va pas laver, je ne vais pas laver, mais je vais simplement essuyer. Voici la preuve. Et je vais en profiter ici pour donner les différentes preuves en islam. Il y a 4 grandes preuves en islam, c'est-à-dire des références, c'est-à-dire ce qu'on peut se baser pour en tirer une conclusion. 1. Le Coran, Al-Kitab. 2. As-Sunna, le hadith du prophète. 3. Al-Ijma'u, le consensus, l'unanimité des savants musulmans, tels que l'époque des Sahaba, les compagnons du prophète. Lorsque les Sahaba sont unanimes sur une chose, c'est déjà une preuve. Même si tu ne vois pas le verset qui parle de ça d'une manière claire, d'une manière explicite, c'est déjà une preuve. Ijma'u Sahaba. 4. Al-Qiyas. La comparaison. Il n'y a pas de texte qui parle de ça. Mais lorsqu'on compare avec tel et tel, ça donne ça. Voici les 4 grandes preuves. Et c'est des preuves, des références que les musulmans sont unanimes dessus. Après, il y a d'autres preuves, mais il y a divergence. Telles que Amalou Ahlil Madina, l'acte des gens de Médine. Lorsque les gens de Médine font une chose, ça devient une preuve, mais pas pour tout le monde. C'est seulement sur les malikites. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Bien. Lorsque nous portons le khouf, il y a des choses qui peuvent annuler l'utilisation du khouf dans l'ablution pour essuyer des suies. Parmi ces choses-là, tout ce qui annule l'ablution, la petite ou la grande, c'est-à-dire quand tu as porté le khouf, et que tu as uriné par exemple, ou bien tu as gazé, ou autre chose comme ça, c'est fini. Arrivé, quand en faisant l'ablution, tu ne peux plus essuyer dessus, il faut enlever pour laver. Ensuite, lorsque la deuxième chose, après tout ce qui annule la petite ablution ou la grande ablution, je donne plus d'exemples encore. J'ai porté le khouf et j'ai dormi. Lorsque j'ai dormi, il y a le sperme qui est sorti. Je dois faire la grande ablution. Je vais enlever le khouf pour me laver. C'est obligatoire. Sans ça, je pouvais
porté 24 quand je suis à la maison, 3 jours quand je suis en voyage. Mais quand je suis en voyage, que dans le sommeil, les spermes sortis, je dois enlever pour me laver. Bien. Ensuite, lorsque la date passe, ça fait la troisième chose. On dit à la maison, on a combien de durée pour porter un khouf? Hein? 24 heures, un jour. En voyage, 3 jours. Bien. Comment on essuie? Après notre deuxième sujet, comme toutes les mêmes choses, on va expliquer comment on essuie. On passe maintenant de khouf qui ne nous concerne pas trop, qui n'est pas dans notre culture trop. On ne connaît pas ça. Moi, j'ai vu ça seulement avec les vieux qui ont fait Hajj. Le deuxième sujet, Al-Jawraban, les chaussettes. Ce que nous utilisons là, c'est dans notre culture. Nous portons les chaussettes. Et les chaussettes sont un peu similaires au khouf. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit, si on a bien compris le khouf, on va comprendre aussi les chaussettes. Donc, est-ce qu'il y a une preuve qui montre qu'on doit essuyer sur les chaussettes? Oui, il y a des compagnons qui ont fait cela. Il y a des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait. Le prophète lui-même n'a pas fait, mais il y a des sahaba qui ont fait. Et l'acte des sahaba, c'est aussi une preuve. Les conditions, c'est les mêmes conditions. La première, il faut porter, comme on a expliqué dans le khouf, avant de porter ou bien avant d'essuyer sur la chaussette, ça doit trouver que tu l'as déjà porté après une purification. Le musulman doit comprendre cela. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut essuyer sur les chaussettes. C'est lorsque toi-même tu as fait les ablutions, c'est après les ablutions que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-mutatahhirin. Tu prends maintenant les chaussettes, tu portes. C'est après cela, lorsque tu as uriné et que tu veux essuyer, tu peux essuyer. C'est compris? Bien. La deuxième chose, également, la chaussette doit couvrir ce qu'on a dit, les chevilles. Si ça ne couvre pas, on ne peut pas essuyer dessus. Or, pourtant, il y a des chaussettes maintenant qu'on porte, ça n'atteint même pas les chevilles. Ce qu'on porte avec les baskets là, ça n'atteint pas les chevilles. Ça, on ne peut pas essuyer dessus. Non. Ensuite, dans le khouf, on a dit que ça doit être épais, ça doit être lourd. Et dans les chaussettes, voilà là où il y aura maintenant une divergence entre les savants. Chez les malikites d'abord, on ne suit pas sur n'importe quelle chaussette. C'est une chaussette dont en bas est fait en peau. En haut est fait avec maintenant le tissu. Et le tissu doit être épais, doit être lourd. On ne doit pas voir la peau du pied. C'est ce genre de chaussures-là qu'on peut essuyer. Ça, ce sont les malikites. Mais chez d'autres savants, ça, ce n'est pas une condition, ce n'est pas obligatoire. Donc, chez nous ici, moi, je n'ai jamais même vu ce genre de chaussettes-là. Une chaussette qui est en bas et en peau. Moi, je n'ai pas encore vu. Et al-illatu, la cause qui fait qu'on peut essuyer sur al-khouf, qui est souvent les difficultés, les fraîcheurs ou autres, les mêmes se trouvent chez nous. Et ce sont des chaussettes que nous portons pour éviter ces difficultés-là. Donc, nous allons prendre la position de ceux qui disent qu'on peut essuyer sur des chaussettes, même si l'en bas n'est pas fait avec la peau. Mais, de grâce, il y a certaines chaussettes vraiment, ce ne sont pas des chaussettes. C'est tellement fine. Peut-être que c'est fait pour juste. Pour ne pas que les sueurs touchent les chaussures. Je ne sais pas à cause de quoi on fait ça, mais c'est tellement fine que. Il ne faut pas essuyer dessus. Et il faut faire les chaussettes qui dépassent toujours les chevilles. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comment essuyer? Je vais montrer. En faisant les ablutions arrivées au pied, on met la main droite en haut, au niveau d'ici, les orteils, et la main gauche ici. Mais selon d'autres, ils vont dire comme ça.
tu fais comme ça, les verses. Ça, c'est leur position. Et, mais comme ça seulement, et on vient après les chevilles, c'est fini. Dans d'autres écoles même, il suffit avec une main en haut seulement, comme Ali a dit dans un hadith d'Ali, il dit si la religion était avec la logique, on allait échouer en haut et en bas. Ce qui veut dire que selon Ali et ceux qui suivent sa logique, on fait seulement en haut. Et j'ai toujours dit ici, lorsqu'il y a une divergence, surtout dans nos quatre grandes écoles, la position que tu suis, il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Voici les deux sujets, Al-Khouf et les chaussettes. Il y a un troisième et dernier sujet, les plâtres, les bandes, à cause des blessures, des cassures ou d'autres choses, d'autres excuses. Lorsque quelqu'un a la main déplacée, on a attaché une bande là-dessus. Est-ce qu'arrivé là-bas, il faut forcément enlever? Non, on n'enlève pas. Arrivé, on essuie seulement. On passe la main mouillée dessus. Al-mashu al-jabira ou al-jabair. Lorsque c'est le pied, peut-être que c'est au niveau des chevilles, ça a été déplacé ou bien c'est cassé. On a mis des plâtres, même avec la grande ablution, on lave tout le corps. Arrivé là-bas, on essuie seulement. Il y a d'autres savants qui vont faire al-jam'u bayna al-mashi wa tayammum. Il y a une bayna al-ghasli ou al-ghusli, al-ghasla ou al-ghusli, al-ghasli fil wudu ou al-ghusli fil janaba, ou al-mashi al-jabira wa tayammum. Lakin hada laysa mujma'an alayhi. D'autres vont dire en lavant le corps, arrivé au pied qui est déplacé, qu'on a mis plâtre dessus, tu laves tout le corps, tu laisses la partie. Tu essuies seulement la main mouillée dessus, ensuite tu fais tayammum. Mais tout ça, c'est long, c'est leur position que nous respectons, mais nous n'allons pas suivre ça. Il faut juste passer la main mouillée sur les plâtres ou sur le médicament. Il y a quelqu'un qui a une grande plaie, par exemple, au niveau des avant-bras. On a mis notre médicament traditionnel dessus. En faisant les ablutions, arriver là-bas, on ne va pas du tout enlever les médicaments et puis laver. Non, non, non. Il faut passer. Si on peut même passer. Si on ne peut pas, on laisse. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Quelle est la preuve que les plâtres et bandes hautes, on essuie dessus, on ne les lave pas? Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui a eu une blessure au niveau de la tête. Et il devait faire Janaba, la grande ablution, Ghusl Janaba. Ses compagnons qui étaient avec lui, lui ont dit que non, il faut forcément laver. Il a lavé tout le corps, l'eau est rentrée dans la plaie, il est mort. Le prophète était très fâché. Il dit qu'ils l'ont tué. C'est pas comme ça on fait. Il lui suffisait de faire le tayammum. Si on peut passer la main, on passe. Si on ne peut pas même, on passe automatiquement au tayammum. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Voici le sujet que nous devons traiter. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de prendre les questions. Je ne pense pas que l'autre sujet du livre, on va pouvoir traiter ça. Surtout que c'est un autre sujet à part. Bien, donc, Alhamdulillah, Albiyam me tayamamu bondalila. Antlana tayamamu la, mais kiti wara obeyi. Wala ma fin wara kiti obeyi. Oka surun tayamamu la. A fin fora fora oye khufuye. Ango mutoko khufu. Khufuye samara sugu doli. Samara te ga suya doli. Awe samara ni shoseti li tche. Sabu arabu fe hal ni ka khufu don ibet langa samara wore don katamanae. Te khufu gansan do katama. Samara biski doli awe langa bo golo la bigan golo la. Arete ango fe. Ngama kiti nyafo ça vous devrait bien en faire à qui tu le n'ont ni qu'à ni famille ou dans une femme fan au koufouin d'allou du mebala à d'allou fort qui a allé sur la toile salam et n'a pas bé mourir à gonchoubaka à djakono en bétamara ni kiraï en dans la séro de la kirat mais c'est vite à la avec cela c'est ma robe n'a n'est du la ou mais à kakoufou bon kirako à toi n'a d'osaniaka. Il y a deux sangs dans le coffre. Il n'y a pas de raffaire. Il y a un coup de charte. Il y a un coup de
A fɔlɔ fɔlɔ i ka kufu in don saniya dɔ kɔfɛ. O ye saniya jumɛn ye? Seliji walama janaba ko. A filanan kufu in ka sen bɛɛ datugu kana tɛmɛ senkuru fila kan. Yɔrɔ min kan ka ko seliji la dɛ fo kufu y'o yɔrɔ bɛɛ datugu. A sabanan kufu in ka kɛ fɛn giliman ye. A naaninan kufu in a dilanni bɛ ka bɔ golo min yɛrɛ la o fana ka kɛ fɛn sanuma ye. Misala boloma n'a dilanna ka bɔ fɛn dɔ la min sogo domu yɛrɛ haramuyani de ye. I n'a fɔ fali a tɛ bɛn. Kufu kan ka wagati joli de kɛ i sen na n'i bɛ to ka jɔsi. Mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ sigibaga ye i ma taa tagama na tile kelen dafani lɛri 24 c'est-à-dire su kelen ani tile kelen. N'o tɛmɛna i kan ka bɔ ka saniya ka i sen ko ka tila ka don tuguni ka 24 wɛrɛ kɛ. N'o 24 dafara i b'a bɔ ka sen ko ka 24 wɛrɛ kɛ a bɛ kɛ ten de. Nka n'i bɛ tagama na tile saba donc 72 heures n'est-ce pas 72 heures. Est-ce que kufu n'i bɛ seliji la kuranna ko n'a bɛ seliji ta la n'a nana se sema k'a y'a koli kuranna ka koli le fɔ. Est-ce que ni kufu bi sen na n'i nana se sen na diyagoya le fɛ kufu in bɔ ka sen ko wa walama i bɛ se ka i sen jɔsi i bɛ se ka i tɛgɛ jɔsi kufu in kan. An ko i bɛ se ka jɔsi a dalilu ye jumɛn ye. An ka kira ka hadisa min fɔ ka tɛmɛ sisan sisan ni kuranna aya ka fɔ sen ka kan ka ko n'a tun ka kan ka ja o le ma ko kufu ka kan ka bɔ jagoya kira tun tɛna fɔ Shoba ma Al-Mughira ma ko n ka kufu to yen a tun b'a fɔ ɔhɔn a bɔ. Fɛn min bɛ kufu tiɲɛ o ye fɛn min bɛ koli wajibiya mɔgɔ kan janaba ko. A filanan ni ka bɔ. A sabanan n'a wagati tɛmɛna 24 min fɔla n'o tɛmɛna a tiɲɛna. Tile saba min fɔla n'o tɛmɛna a tiɲɛna. Ni tun ye kufu ka bonnali ye. Fɛn filanan min n'a dulonnin bɛ jɔsili la hali bi o ye susɛti ye. An bɛ susɛti min donna. O kosɔn susɛti o le bɛ anw fɛ caman kufu tɛ anw fɛ. Susɛti ka kiti a bɛ na fɔ kufu. An ka fɛn fɛn fɔ kufu la o kelen de bɛ susɛti la fo yɔrɔ kelen. Anw ka susɛti a ka fɛgɛ susɛti caman bɛ an ma min don a ka fɛgɛ musa t'an ka wuli mɛ susɛti caman bɛ an bɛ min don ni sisan suliyew ye basikɛtiw ye o ka fɛgɛ a dɔw yɛrɛ bɛ f'i bɛ sen ye. Malikiya yɛrɛ fɛ hali susɛti bilenman tɛ yen a tɛ ban ka jɔsi fo a dugumayɔrɔ ka kɛ golo ye. Nka an ko nin yɔrɔ in na an tɛna malikiya ta an bɛna lɔnnikɛbaga wɛrɛ ka taabolo ta minnu ko ninnu ɲɔgɔnsi a bɛ se ka jɔsi a kan hali n'a dugumayɔrɔ tɛ golo ye. Nka an bɛ min fɔ an ɲɛ b'a la tɛmɛnna senkuru kan cogoya min na f'a y'i kɛ ten de n'a ma se senkuru ma i n'a fɔ basikɛti dɔw bɛ yen samara dɔw bɛ yen ko basikɛti u ka susɛti wɛrɛ bɛ yen tuma dɔ la yɛrɛ mɛmu n'i m'a filɛ ka ɲɛ i t'a lɔn k'a tigi ka susɛti don. Nɔn an kana jɔsali kan puisque a ma se senkuru ma et puis a ka fɛgɛ fana tugun. Yala susɛti a jɔsili sabatini ne wa n'a ma sabatini ne ka bɔ jɔn ne yɔrɔ kira ka sahabaw kira ka sahaba dɔw ye jɔsili kɛ susɛti kan c'est à dire an bɛ fɛn min wele ko susɛti a bisigi dɔ tun bɛ yen kabi o waati a ɲɔgɔnsi dɔ tun bɛ yen kabi o waati sahabaw y'a jɔsi a kan o b'a yira ko an bɛ se ka jɔsi. A kɛra susɛti ye o a kɛra kufu ye o a bɛ jɔsi cogoya jumɛn an k'o le yira sisan i bɛ kinibolo k'o la sen sanfɛla kan. Ka numanbolo bila sen dugumala la ka jɔsi ka a fila bɛɛ ta sen nunkun na senkumandenw na ka na kɔfɛ sen na ka se senkuru ma. Lɔnnikɛbaga dɔ ko kinibolo bɛ bila le ɲɛfɛ senkumandenw kan numanbolo bɛ bila kɔfɛ sentoto kan ka sama ka na ten ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Nka an bɛ kelen dɔrɔn ta i y'a kɛ ten dɔrɔn a banna. Hata lɔnnikɛbaga dɔ ka taabolo la ka bɛn sedina ali ka kuma dɔ ma. Tɛgɛ kelen dɔrɔn dugumayɔrɔ yɛrɛ t'a la i bɛ sanfɛyɔrɔ dɔrɔn jɔsi a bɛɛ b'a wasa. An ko ka an ka fɔ ka tɛmɛ ni tugula an ka mazhabu naani o kelen kɔ a kɛra malikiya ye wa a kɛra shafiya ye wa a kɛra hanbali ye a kɛra hanafiya wa i bɛ sababa kan parce que ninnu bɛɛ sigilen bɛ dalilu le kan.
apesiba dinne dalu kan wa akakoro asan wa kelen san kebe nan ne binyeti ala ka famia jama don anga mi fo khufuni chaussette la oleni atona masala kelen platriou bandiou mi mebla fan blocarni wala masikarni kan Sergi tu m'as avec toi demain. Ni cela ou ma, elle va juste dron. C'est à dire très nini. À ma foi, il va courir à te cou. Il très nini, mais tu m'as dron à banan. Dans l'ultime bala, qui a qu'à voir tu es tombé au tala, qu'elle est dala, d'orida à soi, comme l'oula. À comme l'eau d'orida. À ma la bémine, yala, avec ta maman kawa, yala bako. À une minute, tu es tombé à l'eau pour a dun fana ko ji dona joli la akala kala tike sababu ye o segila ki bala sila kira makira re funu bola ko se adimina ko e che fali amma fami ki tilo munaba da dola akbe che wa sadron akata yamam ke donc ni bandi bakan ji ka seli ama wala matere nyini au titoro iba joshi me hal no bi toro iba to e chengili c'est-à-dire que bandi mi fle wala ma plaque mi fle wala ma fro mi fle te joli danna ni dire c'est la ma ou be problème ni ni terre c'est la ma ou be problème ni ou la iba toy kata ya mamu ke kas al jamr baina al ghusli wa tayammu o ya ni tisika tere ma la re ibi fari fanto ko ibi tayammu ke tisika ma la men ni tisika ma la bana ibi tere ni ni te makandron abana donc ana masala mi fo sans kana olenye amina question ta amina bika wala dallo ya sabu an ngado haydalila fray masala ka adam masala li nanga flanya homia tnabe nam s'il y a des questions nam wa alaykum salam vous avez parlé de prouf moi je vais poser la question prouf oui oui moi je pose la question par rapport à ce que les militaires portent. Oui. C'est autorisé de suivre. Non. Les militaires, les forces de l'ordre et autres portent les chaussures Rangers là. Il y a des fois, ils peuvent pas, ils n'ont pas le temps d'enlever. Est-ce qu'ils peuvent essuyer des chaussures? Ils portent des chaussettes. N'est-ce pas? Ils portent des chaussettes. Ensuite, ils portent ces chaussures-là. Donc, ils enlèvent la chaussure, ils essuient seulement sur les chaussettes. Mais il y a des cas même le temps de faire ça, même tout à l'heure, c'est un problème. Mais ça, c'est pas à tout moment. C'est peut-être dans le front et d'autres choses comme ça. N'est-ce pas? Donc, le fait de faire l'ablution déjà, il avait déjà fait l'ablution, il a porté. Et il a, avec les roufs là, il a comme 3 jours comme ça. N'est-ce pas? Et arrivé, simplement, il est sur la chaussure et puis passe. En se basant sur ce qu'il avait déjà fait sur la chaussette. Il peut prier avec, bien sûr. Il peut prier avec les chaussures. Et même, il y a un hadith du prophète. Dans le temps, au temps du prophète, on priait avec les chaussures. Ça, il faut bien le comprendre. Le prophète dit « Sallu fi ni'alikum » Priez avec vos chaussures. Mais aujourd'hui, pratiquement, tu vas dans tout le monde entier, tu ne vas jamais trouver un musulman qui va prier avec sa chaussure. Pourquoi? La vie a changé. Les choses ont changé. Au temps du prophète, sa mosquée-là, c'était pas, il n'y avait pas les tapis comme ça. Hein? Il n'y avait pas le ciment. C'était le sable. Et l'air, l'environnement était propre. Ce n'est pas notre environnement d'aujourd'hui. Ceux qui vivent dans le désert, ils le savent. Dans le désert où la modernité n'est pas encore arrivée, où il n'y a pas beaucoup de personnes, tout est propre là-bas. Donc, ils pouvaient prier avec les chaussures. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Et dans un autre hadith, malgré que c'était propre, parfois, il y avait des chouïs. Un jour, le prophète priait, il y a Djibril qui est descendu. Il dit, ta chaussure là, il y a une chouïe en bas. Le prophète s'est déplacé en paix, il a essuyé bien l'en bas de sa chaussure et il a continué sa prière. Tout ça là pour dire que nos forces de l'ordre et autres, dans
les chants, ils peuvent prier avec leurs soucis. Mais lorsqu'il n'y a pas de difficulté, il y a l'aisance qu'ils enlèvent pour prier. C'est compris? Non. Une autre question? Oui? Est-ce qu'il y a un nombre de fois pour essuyer? Très bien, très belle question. Est-ce qu'il y a un nombre de fois? Le nombre de fois pour essuyer, soit sur le couvre, soit sur la chaussette, soit sur les plates. Non, une seule fois suffit. Une seule fois suffit. Nam, elle a dit. Oui. Oui, oui. Oui. Pardon? Oui, oui. 3 jours. C'est bon. Mmh. Tu n'as pas lavé les chaussettes. Oui. Mmh. Bien sûr, ça ne fait pas partie des conditions qu'il faut forcément laver la chaussette. Non. Tu as porté en allant. Tu as essuyé dessus. Arrivé dans ton lieu, la destination, tu as enlevé parce que tu es arrivé. Au retour, est-ce qu'il faut forcément laver les chaussettes avant de porter pour pouvoir essuyer, n'est-ce pas? Non, ça ce n'est pas une condition. Non? Que ça soit propre seulement. Mais si par exemple il y a l'urine qui a touché un truc comme ça, là il faut laver. Mais en dehors de ça, c'est déjà propre islamiquement. Peut-être que nous, hygiène humaine, là, on va dire non, c'est un peu noir, c'est... Non. Islamiquement, quand il n'y a pas ces suies qui ont touché, il n'y a pas de problème. Non. Man gaba gaba nasibou. Man ta'akhra ta'akhra nasibou. Donc, est-ce que les chaussettes légères, on peut essuyer? On a déjà expliqué, mais on va revenir là-dessus. Il y a deux sortes de chaussettes légères. Il y a des chaussettes légères, on ne voit même pas le corps. Mais c'est toujours léger. Parce qu'il y a différentes sortes. Il y en a, c'est léger, c'est faible même. On voit même le corps à travers. Ça, il ne faut pas essuyer dessus. Mais ce qui est, malgré que c'est faible par rapport à d'autres, c'est léger, mais on ne voit pas le corps, on peut essuyer. Et j'ai bien dit que ce n'est pas selon le rythme malikite. Sinon, selon le rythme malikite, ça doit être non seulement lourd, en bas aussi, ça doit être la peau. Et j'ai dit qu'ici, nous, on va laisser un peu Maliki, on va aller chez les autres. Et on a ces droits-là, hein? C'est l'islam. Tout est tiré à partir des textes. Ce sont des explications. Non. S'il n'y a pas autre question, on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين